Eh bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2016 et je vais récolter les graines de courgettes. Donc voilà, donc j'ai laissé grossir une courgette. Donc je l'ai coupée parce que les graines là, il n'y a pas de graines. Du coup, j'ai coupé. Donc faut laisser grossir une courgette. Hein. Avec une seule courgette, vous avez assez de graines. Voilà, donc ensuite vous prenez un couteau bien tranchant et vous coupez comme ceci. Ensuite, vous allez faire... Tiens, elles sont là toutes des graines. Une sorte de V comme ça. Comme ceci. Voilà, pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous l'enlevez. Comme ceci. Donc je vais pas faire l'autre. Oups, je vais garder juste cette part là. Ensuite là vous pouvez faire des courgettes comment farcies ou garder pour la soupe. Enfin je sais pas ce que. Voilà. Et ensuite vous venez piocher, enfin prendre les graines les plus grosses à la main comme ça. Voilà. Donc je fais ça là tout de suite. Et voilà, donc j'ai fini de récolter les graines. Donc j'ai fait les deux. Hop. Maintenant, on va les mettre sur un sopalin pour les faire sécher. Donc ça, je vais mettre dedans. Voilà, on les étale bien. En plus là il fait beau, donc c'est nickel pour le séchage. Voilà, donc vous les étalez bien. Et quand elles seront sèches, vous allez garder que celles qui sont les plus bombées. Ça, par exemple, vous n'allez pas prendre. Mince, attends. Ça c'est tout plat, ça va pas germer plus tard. Tandis que si vous gardez celle-ci, elle est bombée. Donc ceci elle va germer plus tard. Donc voilà, donc on va bien les faire sécher. Donc là on est le matin, donc ce soir ça va être bon, je pense. Voilà. Et voilà. Donc je vais faire sécher ça tout de suite. Ouais, il y a un peu de vent. Et voilà. Donc, je vais mettre des cales. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis bah je vous dis à bientôt. Salut!